Bonjour Frère Maxime, comment nous est? C'est JFL Cuisine Créole, j'en fais dans lundi. Votre chef à la maison qui rentre la caille nous. Je me dis nous non. Je dis nous un grand merci à toute l'autre nation qui a suivi moi, qui a encouragé moi. Okay? Frère Maxime, tout, je dis nous merci pour bouche à l'oreille, nous fait pour moi. La reine des saintes fois, je dis nous merci de façon spéciale pour ton cœur. Ok, je vais préparer pour nous aujourd'hui une petite galette de yam. Galette de yam non? Ok, moi fais le bouillir déjà, nous tout connaissons comment pour nous bouillir yon yam ou bien n'importe quel légume. Moi pâte la l'eau froide et voilà, li bouillir et voilà. Qu'on a là, moi pour le faire, galette là pour nous. Moi pour le couler. Une fois moi couler li, qu'on a là, moi pour le craser. Ok, nous même nous avons une petite machine nous pour nous craser. Nous conseillons des petits moulins ou mettez là dedans pour virer les, mais la faire l'affaire aussi. Et bien l'autre. Bah, alternative encore, moi-même, je prends une petite cuillère, ok? Ce n'est pas parce que je n'ai pas non, je prends une cuillère. Et voilà. Qu'on a là, fini que je fais une craser là, bien craser, qu'on a là, je prends le travail, ok? Qu'on a, je prends le travail, qui ça veut dire, qu'on a nous voir, qui ça me va faire, ok? Pour que je fais une craser le jambe là, je mets une petite cuillère de beurre là-dedans. Moi mettez un quart de tasse de crème 35%, mais on doit mettre le lait. Hein? Moi mettez crème là, c'est parce que c'est pour moi. Mais normalement, soit faire le commercialement, ou supposez mettre du lait. Un quart de tasse de lait et un quart de tasse de fromage là-dedans. N'importe quel fromage, selon ton goût et ton humeur. Et puis mettez un petit sel là-dedans, une petite cuillère de sel. Et puis, sans oublier, moi mettez un petit poivre. Qu'on y a, malgré continuer à brasser là encore. Qu'on y a là, je vais faire la forme voulue. On a n'importe quelle forme je veux, je vais faire. Ok? Qu'on y a là, mes planches de cuisson là, qu'on a mis ton papier sulfurisé là-dessus. En planche de travail, moi, je mets ton plan en papier de cuisson dessus. Qu'on y a là, je vais mettre appareil là-dessus. N'oublie pas. Ça, c'est un petit produit local lié. Ça, c'est produit la canne. On a transformé produit, nous. La cuisine, c'est la passion. D'accord? Ce n'est pas débarrasser avec quelque chose. C'est la passion. Donc, on prend le temps, on possède Yamna, habitant dans le pays où là, on doit aider, bah, un coup de main. Ça, là, c'est très, très bon. C'est excellent. Et pour qu'à présenter là n'importe quel plat, vous voulez mettre le produit local ou en valeur. Moi essayer, moi faire en sorte pour que moi faire en sorte pour que moi platil dans le sens égal, OK? Bon. Qu'on y a là quel que soit moule ou ta gagnant, tant que ou gagne moule qui fait en cœur ou te gagne droit gagne ou fait avec. Moi même moi pas gagne, OK? Qu'on a là moi choisi si a fait pas pour moi faire, OK? Moi prends une série de petits bouches, moi prends un verre et puis moi le fais rond. Ok, mais toute galette moi obtenue, regarde ça. Bah grand rien perdu là dedans, ok? Regarde, qu'on a le bafon en dessin, mais un petit cœur moi fait pour un souper des amoureux que moi le fais. Regarde, bah grand moulin nous même fait avec dessin pas, ok? Moi même à la même fait, ok? Pas grand rien perdu. Dans tout ça, je vais faire un onion, tu restes arrêté moi-même, moi, je vais le faire par moi-même. Ok? Pour moi, faire panier, là, qu'on a là, pour moi, faire galette là pour nous, qu'on a là, je vais bien commencer à partir ça pour nous, parce que je vais nous bien comprendre, parce que grand pile monde là fait un panier, toujours mêlé entre farine, œufs, chapelure, qui est-ce que met en vent. Ok? Qu'on a mal, nos définitions, c'est quoi? Toujours mettre en tête, lorsqu'on met farine, c'est pour protéger l'aliment. Exemple. Si c'était une viande, n'importe quoi, je passe la farine avant. Qui est la farine? Voilà, pour protéger l'aliment. Par exemple, dans ce cas-ci, ici, nous avons un yam. Qu'on a pour protéger yam là de toute chaleur qui pourrait venir, qui pour toucher, moi protéger avec la farine. Ok? Qu'on a là, je passer à notre sanitaire le liquide là. Qu'on a là, moi je vais montrer nous, dire nous une fois pour toutes. Qu'on a une fois que le produit nous est protégé par farine, qu'on a plus que nous pouvons faire un gratin, nous pouvons faire une galette, donc ça prend un chapelure. Donc,
Question pour poser dans tête, est-ce que je veux coller chapelure là? Pour coller chapelure là, ça prend un liquide. Donc, dans le liquide là, on va faire soit avec jaune œuf pour contenir, ou bien on fait jaune œuf et lait. Moi-même, c'est dans mon cas, moi mettez jaune œuf avec lait. Moi mettez liquide moins. Et voilà, je n'ai pas besoin d'obliger de faire tout de suite. Moi mettez là à côté, ok? Moi mettez là à côté. Ok, et qu'on a mal mis chapelu là. Mais chapelu là, qu'on a la mal juste mettez pem, mal mettez galette moins. Dans le cas ici, c'est une galette yam que nous avons fait là. Qu'on a la petite galette moins. Moi déposer dans chapelu là. Moi bien badigeonner là avec chapelu là tout autour. Prends temps, pas besoin de gouma avec, pas besoin de courir parce que ça cap coller, il cap coller, pas plus cap coller. Ok? Même si tu mettez jaune, on voulait, pas un problème parce que. Ça pourrait être l'hélicoptère seulement, pas plus, pas moins. Et voilà, ça c'est une très belle chapelure. Ça c'est chapelure que moi-même moi fait. Qu'on a la mettre son plaque à cuisson, ok? Qu'on a après ça, l'aime fin fait toute ma montre nous qui résultat et puis m'a dit nous pour qui ça plaque à cuisson. Meni, qu'on a la mettre la plaque à cuisson, qu'on y a là. C'est toutefois que ou même ou bien on va prendre le jambon là ou mettre dans le congélateur pour qu'il tout bien congelé. Après ça qu'on retire ou mettre dans une boîte ou qu'à sortir on journée à l'avance et puis le lendemain on va faire la friteuse ou bien on fait l'en bafou. Moi même je vais faire l'en bafou. Qu'on a qui ça moi faire là, moi je vais faire comme ça nous t'arrête une sorte de blanchir. Blanchir c'est quoi? Blanchir existe en cuisson aussi, c'est que ça nous t'arrête mi-cuisson. Qu'on a bras ouvert fois 350. Et puis qu'on a la m'a fait le cuit à moitié et puis m'a conservé dans le congélateur mais m'a quitté youn parce que moi besoin pour mal faire un repas m'a quitté un grain bien cuit mais ça lui même m'a metté 350 genre 15 minutes après m'a sorti et puis pour me retirer tout ça yo, et puis qu'on a pour me quitter grain cœur simplement pour mal faire un repas spécial OK mais ben j'en sorti là à 350 après 15 minutes c'est ça lui ba moi. Avec dit la petite coloration sur le fait en l'air, c'est parce que moi-même, moi, quand je mettais chaleur dans le four, pas en bas et pas en haut. Je mettais pas en bas, pas en haut, pour te faire plus vite. Ok? Qu'on a là, j'en ai là, qu'on a là, je vais aller mettre dans le congélateur. Et puis chaque fois, j'ai besoin qu'on a besoin de prendre, de sortir, mettre dans le bafou. Sortir dans la matinée, puis dans la soirée, mettre dans le bafou. 15 minutes, 10 minutes, à 300, la peine, refroidir, chaleur pour entrer là-dedans. Deux congelés, et puis bien chaud, et puis moi servi ça, sans là, et voilà. Ok? C'est un gratin de ignamnier. Ça nous a donné un petit galette, ok? Ça, c'était une petite galette là. Un petit galette de yam. C'était JFL Cuisine Créole. J'en fais dans le petit votre chef à la maison.